Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté à qui l'obtenez nous. C'est toujours avec un plaisir pour nous entrer la caille sous chaîne Gros Événements TV la caille pour nous capable porter toute information qui a rapport avec le pays d'Haïti. Vous attendez, vous regardez sous télévision TV la caille. Dossier dollar, good luck, pas suspendre, fait parler des leaks, poté. Vous songez dans les temps, les dollars montés sous good luck, côté grand pile monde qui te fait qu'on est que, eh bien, c'est parce que nous pas produit dans le pays qui fait dollar à monter. Qui fait et dollar crasé goud là mais qu'on y a nous garder nous c'est goud là grippé sous dollar qu'on y a est-ce que c'est produit nous un produit nous pas connaît mais son bagage faut qu'un pile monde cherche connaît ça qui ça bagage là est-ce que c'est bon complot est-ce que c'est un bon bagage pour nous pendant goud là lui-même lui a essayé mieux placé lui et bien prix nécessaire pour une nécessité au pas jamais descendre manger par exemple descendre rien par exemple descendre dans le pays ya. Ça veut dire que tu connais un petit 20 dollars tu connais 400 gouttes qu'on y a li pa bo 400 gouttes mais qu'on y a li pa bo 400 gouttes nous pas acheter un goût de 10 ravel parce que manger pas descendre dans le pays ya. Ben sous même objectif ça ministre commerce là qui c'est Jonas Kofi lui même il a réagi sous question ça et des de dispositions qui déjà prend et bien si yo pas descendre et ma produit sous marché et bien gagne amende, eh bien, gen, gros décision pour le prendre contre moun sa yo qui pa vle, eh bien, descendre et bagay yo nan peyi ya, c'est sa ministre commerce nan, Jonas Kofi li même li fè konnen, kote nou pral vidéo pou nou tande, ensemble avec nous, et nou ap tande, ou ap gade sou TV la kay. Ne pa bliye, avant nou ale, on se fason kapab ede nou, se le ou abonne ou invite de 3 amis, de 3 familles, pou kapab brije nou sou TV la kay, chaîne Gros Événements, ki la pou pote tout dernier information kap domine la République, sous Gorizoa. Merci tout le monde. On suit, eh bien, ministre commerce là, Jonas Kofi lui-même, qui t'a bâillé en conférence pour la presse sous question ça. Qui ont grand plaisir pour moi accueillir nous matin et dans la conférence de presse là. Nous sommes capables de dire objectif conférence de presse là, c'est pour nous informer le public là, informer tout le monde directement. Qui plus concerné, nous sommes capables de dire en l'occurrence, commerce qui affecté, et nous sommes capables de dire sanctions qui doivent prendre dans le cadre fluctuation de dollars. Devant une grosse difficulté, consommateurs haïtiens, yo trouvé ou confronté et par rapport avec dépréciation goud là par rapport au dollar là que nous constatons sous marché là et li traduit yon phénomène accéléré dépréciation goud là par rapport à dollar là. Ce qui provoquait une conséquence socio-économique déplorable et grandement sous pouvoir d'achat membres de la population haïtienne. L'été normal pour le gouvernement à travers le ministère commerce avec industrie pour le prendre position et le positionner des faits ministère commerce avec industrie fait sortir communiqué 003 dans date 7 août 2020 qui adjoint tout acteur et lui informer acteur économique pour respecter toute disposition non arrêté qui te prend 19 septembre 2018 là qui fait yo obligation pour yo afficher en caractère visible et lisible, prix tout produit en good
qui c'est monnaie nationale là. Devant tout refus pour yo obtempérer, ou gagner dans acteur yo sous marché ya, ministère commerce demande yo pour yo prendre toute disposition afficher et libeller prix yo en goudre. Ministère commerce li wel dans l'obligation pour le sorti communiqué 004 là dans date 31 août qui s'est passé là pour yo fixer yon délai et après délai ça yon moun qui t'a refusé obtempérer et y a sujet des sanctions. Sanctions que moi-même m'bral parler là yo. Certains comportements affichés par certaines entreprises yo continuer contribuer accélérer et cela jusqu'à ce que nous pral gagner quelques jours yon certain baisse nous garder nous ouais à partir de hier côté dollar là li sorti li rivé à 105 good pour un dollar yon appréciation qui contribue à faire baisser pouvoir d'achat population. On garde communiqué que nous capables li ensemble avec moi. Nous dit fok moun yo affiché en caractère lisible les prix des produits en vente dans leurs entreprises commerciales ou autres respectées scrupuleusement dans leurs transactions de change le taux de référence journalier fixé par la BRH, cessez d'établir par anticipation les marges bénéficiaires exorbitantes en supputant d'éventuelles hausses des prix à leur prochaine commande. Lesquelles marges injustifiées ne sont pas fixées sur la base des prix de revient des marchandises vendues. Les différentes sanctions prévues. Les sanctions prévues pour faire face aux écarts constatés sous Machéa après visite inspection ministère commercial nan jou k ap vini an, yo pral entame après 72 heures li fin passé. Tout moun ki refuse respecte sa, eh bien ministère a capable refuse octroye yo yon autorisation d'importation nan peyi a. Ministère a capable refuse délivrer yo carte d'identité professionnelle également. Recours ministère commerce à titre de sanction yo capable mettre en veilleuse rivé jusqu'à suspendre ou bien supprimer non entreprise ça ou bien recalcitrant ça yo dans registre ministère commerce ak industrie. Voilà donc dont nous té bay conférence de presse là matin pour nous té capable informer toute
population, en particulier moun ki konsene yo, c'est-à-dire les consommateurs que nous connaissons, moun yo, revenu yo, c'est en goud lié et y a exigé yo à chercher dollar pour yo payer ça y a consommé. Voilà en gros notre intervention ce midi. Et il commencé depuis hier. Il commencé hier. Vous connaissez 72 heures de temps. Et combien de jours il va où? Et encore, nous capable informer nous. Après communiqué 004 là, il est sorti. Eh bien, gagné la chambre de commerce qui écrit nous et qui m'a donné nous une rencontre en ce qui concerne. Eh bien, nous pourrons arranger pour nous rencontrer avec chambre de commerce et demain dans résidence officielle premier ministre là. Et dans rencontre ça a gagné gouverneur BRH là et le ministre du commerce et le premier ministre de Capla dans rencontre ça. Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle que moi je dis tout à l'heure que nous avons une batterie inspecteur qui guettant la captain expiration date que le ministère commerce mandé pour Mounio libeller tout prio affiché en good monnaie nationale. Automatiquement, yon moun pas respecté taux référence BRH là. Ou qu'on arrive dans un magasin pour l'acheter. Taux référence BRH là, li X, et puis moun nan di ou, un bon exemple clair. Jodia nous dit li 105 goud pour un dollar. Et là ou paraît dans l'entreprise là, yo di ou, ok, ou pas de problème, y a pris un dollar là, y a pris un goud là. Mais à la seule différence, nous même taux pas nous, c'est 125 ou à payer. Eh bien, automatiquement, ou moun rejoint bagay sa yo, au niveau ministère commerce, ou pas besoin inquiéter ou mettre vini là, et puis nous même n'ap sorti, inspecteur ou ap sorti. Et le sa, moun sa pas gen l'autre bagay non, li tombe sous loi 1900, décembre 1946 là. Ça a liré l'eau, spéculation illicite, marché noir. Parce que, faut que moun yo respecte la loi. Le moun nan fait ça, c'est une sorte d'anticipation. Li di ou, li pa konnen ki le tout. Jan to do la fluctuation a fait là, jodi a, ou gen doit gagner goud là qui dévalue net et puis dollar là li monte. Et mais li font anticipation, il dit l'elle pral acheter pour le pas perdre. Non, c'est pas vrai. Depuis moun nan appliquer le taux référence BRH là, pas gen pet poule. Et le moun nan fait ça, non seulement li fait profit sous dollar là, il fait un paquet de profit tout sous produit la vente. Nous pas capable d'accepter bagay ça. Je dis à la garder quantité moun ki la nous même journalistes. Mais c'est un goud nous toucher. Et puis ou ils vont côté, yo 200 dollars pour payer. Et là ça ou ap marché frapper tête tout côté pour joindre dollars pour payer. L'école yo kap exige moun pou paye dollar. Yo tout fait partie de pou nan transaction financière sa yo. Yo tout fait partie de travail n'ap fè la.
que nous-mêmes dans le ministère commerce nous dit gagnez un décret qui te prend 19 septembre 2018 et faut que décret ça il respecte. C'est ça